Aujourd'hui, il fait trop beau. Je suis trop contente. Bon, je sais pas ce que je vais faire. J'ai encore du rangement à faire, comme d'hab. Mais je sais pas si je vais tout vous filmer, du style des vlogs que j'ai fait précédemment, de tri et tout. Je vais vous filmer quelques petits trucs et on verra bien. Bon, il est pas loin de 5h, je crois. Ouais, 16h49. Bah, le film vient de s'éteindre, ça. Encore un film d'horreur, c'est Cube. C'est trop vieux, mais j'aime trop. C'est sur Amazon Prime, il y est. En plus, il y est pour encore 14 jours après. Bah, stop. J'ai bien avancé dans mon rangement, je vous ai pas pris en fait. Mais j'ai bien avancé, je suis contente. Je vais vous montrer à quel point j'ai une passion pour le café. Ça, c'est la dernière machine que j'ai achetée, je l'aime trop. D'ailleurs, faut que je change l'heure. Machine à café classique, sinon j'ai la Dolce Gusto. Et j'ai aussi la Nespresso que je me sers pas si souvent que ça, mais je m'en sers quand même. Et j'ai du vrai café en grains. J'ai le moulin électrique, j'aime trop. Ça sent trop bon, ça. Mon buffet, il est tellement vieux, il a plus de 10 ans. Et ce tiroir, ça fait déjà plusieurs années qu'il tient plus. Tout le monde a essayé de me le remettre, mais impossible. Il se barre tout le temps. Ça fait trop moche, mais bon, je m'y suis habituée. Puis pour l'instant, j'ai pas envie de changer ma cuisine. Au début, je voulais mettre une cuisine. Mais je sais pas au final si je vais rester ici encore longtemps, alors je préfère pas investir si je suis pas sûre de moi quoi. Donc pour l'instant ça restera comme ça, c'est pas très beau, mais écoutez. Et je suis en train de nettoyer mes trucs de cafetière là. Et un peu sur le bas. Ma bouilloire, ça fait un an. Ça va faire un an que je l'ai. Je m'en suis même pas encore servi une fois. J'ai aussi le grille-pain qui va avec, pareil, il dort. Alors ça c'est mon truc à épices, mais comme vous pouvez le constater, bah j'ai plus d'épices, j'ai même plus de sel. Moi mon sel il me dure 10 000 ans, en général je le jette parce qu'il est plus bon. Mais du coup j'en ai plus, faut que j'en rachète. J'ai plus que de la cannelle et des herbes comme ça et des petits cœurs pour mettre sur les gâteaux, c'est tout. Petite étagère, je l'avais eu à Ikea. J'avais acheté ce petit service trop mignon à Carrefour, un petit service petit déj. Il y a la petite tasse, le petit plateau, le petit truc pour mettre le beurre, la confiture, la petite cuillère et pour mettre du pain ou je sais pas. Je l'avais payé 10 euros, je le trouve trop mignon, je m'en suis pas encore servi. Et regardez ma jolie lampe Bille. Et il fait déjà noir, ça y est. Enfin, ça fait déjà un moment, on remarque. Petit update sur ma commande Colourpop, c'est le gros bordel. Donc je vais être obligée de payer des douanes qui vont m'être remboursées. Le problème, c'est qu'UPS n'a pas mon adresse, apparemment. Donc j'ai essayé de me créer un compte, impossible, parce que mon numéro de téléphone il est invalide. J'ai appelé UPS deux fois, c'est un robot, on peut pas avoir quelqu'un. Et Colourpop se fiche un peu de moi en me répondant toujours le même mail alors que je dis des choses différentes. Donc là franchement je suis énervée de ouf et je sais pas quoi faire en fait. Mais ça m'énerve, là j'attends encore des réponses, mais je sais pas si je vais l'avoir un jour mon colis.